comment j'ai fait au niveau de l'organisation de mes figurines. Tout en haut, j'ai mis donc ces trois figurines, donc deux de SAO plus Ryuk, tout simplement parce que elles sont beaucoup trop grandes pour entrer entre deux étagères, parce que là, on a 20 cm. Ryuk en faisant 30 ou 35, je sais plus. Non, je crois que c'est 30. Voilà. Ensuite, pour Boys Love, Taifu, Akata, je n'ai rien mis en déco à part pour le set de marque-pages. Je mettrai prochainement les marque-pages que j'ai de Akata, mais c'est pas vraiment le plus important pour cette vidéo. J'ai laissé mes petits zizi donc du coup sur la ligne Entai, sur la ligne de Yuri, parce que tout simplement c'est l'une des lignes où il y a le moins de choses derrière. J'ai mis mes trois vocaloïdes avec une excellente vue sur celle-là. Je te l'aurai montré de toute façon tout à l'heure. Ensuite, on passe aux éditions Kurokawa. Et en Kurokawa, en fait, je n'ai pas beaucoup de goodies. Je n'ai que deux trucs de moi quand je me réincarne en slime. J'ai Milim en figurine et la peluche. Et il me faudrait, en fait, la peluche, je crois, un peu plus grande. Je crois qu'elle fait justement 20 cm, donc elle ferait tout le truc. Même si ça ne serait pas pour la mettre là. Et d'autres figurines de moi quand je me réincarne en slime. Il en faut d'autres. Ensuite, on continue de ce côté avec Kazé, tu le connais. Du coup, si tu as vu ma vidéo Mangatech, il y a juste la boîte de Bentoni, c'est Koi, et une figurine Mei. Et j'ai expliqué pourquoi il y a cette figurine. Voilà, et en bas, en fait, ce sont des détecticonants, parce qu'en fait, mes détecticonants, ceux-là, je les offre à Draymar. Voilà. Et ici, on a du Death Note, du Death Note, du Yu Yu Hakusho et du Death Note. Et on a un pauvre petit Shikamaru qui... Voilà, c'est une figurine que j'ai de Shikamaru et comme il est trop mignon, j'ai voulu la laisser là. Voilà, et puis il est tout petit donc il prendra pas de place. Ensuite, plus bas, on a donc les quatre figurines que tu connais déjà. C'est pour ça que je me permets de les montrer à moitié. De Captain Tsubasa... Non, pas Captain Tsubasa. Si, je crois que c'est ça le nom, Olive et Tom. Ce sont les 4 pauvres figurines que j'ai réussi à trouver. Et comme c'est de Glenna et que Glenna est en fond, ben je les ai mises ici. On reprend ici. Donc, tac. On redescend. Et ici, on est chez Pika avec la figurine de 4-14 Sakura que j'ai eue lors du swap Saint-Valentin. Et en fond, on a donc le poisson de Shibuya Hill, si je prononce bien. Ici, j'ai regardé et je t'ai montré donc du coup les éditions... Soleil possède la licence Mario, en tout cas pour un Kodomo. Donc je l'ai mis ici. Ma figurine donc du manga Au Grand Air avec les livres Au Grand Air. Alors ici j'ai mis mes pixel art qu'on m'avait fait sur demande. Voilà, avec tous les lits. Au départ je devais les fixer ici, tu vois, sur les trucs comme ça, sur le côté. Mais étant donné que là, dans la semaine... prochaine, donc pour toi et pour moi, je vais décorer ma Mangatech version Noël. Et ben, ça prendrait trop de place, ça serait trop chargé, donc pour l'instant ça attend là. Comme tu as pu le voir sur l'étagère Halloweenesque, j'ai mis un petit chat noir qui est une mystery mini je crois de l'univers DC Comics. Donc ensuite on a mes deux figurines de Hatsune Miku version Noël. Celle là-bas, elle est en fond, elle est coincée un peu avec le meuble pour éviter que ses couettes tombent. Donc après on n'a plus rien et on a ici une figurine Vocaloid qu'une abonnée m'avait donnée qui est très clairement, je te le dis, je te cache pas, une contrefaçon. Et je voulais m'acheter justement la vraie pour pouvoir montrer la différence entre ce qu'on peut commander qui est des contrefaçons et la vraie, mais en fait le fait d'avoir la vraie, ça m'a tellement blasé. Enfin d'avoir la fausse, pardon, d'avoir une fausse et une contrefaçon, ça m'a tellement blasé que j'ai la flemme d'acheter la vraie. Donc là, il n'y aura jamais cette vidéo, ce qui est bien dommage. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker, commenter et pourquoi pas partager. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. On n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Et je te retrouve, si tout va bien, dimanche prochain pour la décoration de Noël.